police saccagé famille avion Air Force. Presque toute famille un peu haïtien et bien prenant atterrissage forcé. Ça pas fait vrai pour pays sans chapeau. Yo nan la police peuple haïtien, y a bay explication comment vol la teye. Pour même qui pas connaît, gade image ça ensemble avec c'est individu ça, y aurait les avions qui t'a volé sans camper dans département centre pays a qui prenant atterrissage forcé tombé, li pas levé. Après qu'aucune chaîne travaille ça, et bien faut que moi dire magistrat. Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous y est? Bienvenue en l'autre fois encore sur channel là pour une nouvelle vidéo d'information que nous portons pour aujourd'hui. Quelqu'un grand point qui a dominé l'actualité que nous portons pour n'a pas connu. Eh bien, pendant Ariel Henry lui-même était dans réunion CARICOM, eh bien premier ministre pays Antigua et Trinidad, eh bien lui-même lui mandé pour PM Ariel Henry lui-même lui démissionner devant visa PM là, il fait déclaration si là. Et l'autre côté n'a pas connu. Eh bien Pierre Espérance participer dans assassinat ancien président Jovenel Moïse selon ça, Léon Charles lui-même lui fait connait et Pierre Espérance c'est membre gang 509 là qui on te connaît qui t'a commandé par Yannick. L'autre information dans l'opération de la police menée dans le fond cheval là, et bien, il y a un Bissap là, aucun poste pas. Jean Mouré nous révéler que Bissap lui-même était fait partie de l'opération là, et bien, qui était fait corruption. Madame ancien sénateur Nenel Kassi, lui-même qui c'est Catherine Chéri Kassi, il y a une invitation pour aller parler devant le juge, et bien, pour dossier corruption qui donc juge Morin lui-même l'a gagné pour la légile premier masque qui vient là après ça il y a encore que nous porter pour dans édition journal ça mais avant même nous entrer dans point ça c'est toute fois que c'est pour la première fois que vous tombez sur channel ça même pas hésiter abonner avec channel là et like au fin abonner toujours activer la cloche notification quitter les sur toute façon pour YouTube lui-même les capable toujours notifier à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo sur channel ça pas oublier quitter un like et partager vidéo à toi avec un ami une famille pour capable aider nous grandir communauté channel là nous pas perdre trop de temps amis pour vous n'a pas la ville Mirbalea c'est monté et bien peuple haïtien territoire côté l'a dirigé a li pas un territoire perdu l'organisation RNDDH une organisation soi-disant qui défend droit monde. Une organisation droit moun alias droit des bandits. Je dis, on fait tout dégâts social qu'on est supposé faire avec l'organisation bidon ça. Ou même ensemble avec Marie-Hélène Gilles qui a dirigé la fondation GPT éclairé. Je dis, on n'est pas capable de parler sous plateau le point. Sous télé métropole, quand on va venir parler comme un monde sérieux, pas un monde sérieux. Dans le pays sérieux, tu es supposé marrer déjà. Exactement. Nous ne pouvons pas dire que nous travaillons, mais nous déjà connaissons la patrie. On ne pas travailler pour bien pays. Parce que tout problème sécurité nationale, tout problème pays a gagné là, en termes de sécurité publique, plus précisément en police criminelle, où c'est un monde qui cause, où sont apatrides, j'en ai dit, nous-mêmes au sein de l'organisation, vétérans et amis donc de la police nationale d'Haïti. Je dis à celle-là pour tout le monde qui a une virginité sociale, tout le monde qui a une virginité sociale, c'est là ça peut parler. Parce que nous, pays à tout le monde sérieux, il faut être dans nos grottes, dans nos trous. Nous ne pouvons pas un pays à bambilé. D'accord, garçon. Nous toujours dit que l'une des raisons principales qui te fait nous fonder l'organisation vétérans et amis donc de la police nationale d'Haïti, Vapona, en février 2015, c'est parce que nous avons que l'organisation droit de l'homme, ça, alias droit des bandits, ça, tant que RNDDH cap dirigé par Pierre Espérance, Fondation GPT Éclairé cap dirigé par Marie-Hélène Gilles, moun sa yo, objectif c'était affaiblir la police là, faire des rapports. Fais un paquet de rapports, faux rapports, fais pression sous l'inspection générale de la police nationale d'Haïti pour livrer les policiers. D'ailleurs, le policier est avant tout un citoyen, l'issue de droit civil et politique. Si on a une organisation de droit, mes policiers ont droit tout. Mais aujourd'hui, on a tellement fait des dégâts. Non, premier temps, c'est ce soir, agent de police, on a fait des dégâts. Aujourd'hui, il y a même aussi chef de police. On vient de dénoncer, il est en total parce que des gars ont fait un ravage du pays. Exactement. Tout problème de sécurité nationale que le pays a gagné là, côté toute famille haïtienne divisée, nous comme si nous retournions dans l'esclavage, maman, papa, petit, ça combat. Où c'est un monde qui la cause? Non, pays ici, on n'a pas de parler sur le monde. Jamais. Non, pays ici, on n'a pas de bon côté pour parler. Oui. Où sont complices? Même je vais citer l'autre non paquet de qui bandit dans le pays, ou sont gros bandits tout. Exact. Abriez qu'on crase une institution républicaine qui est la police nationale d'Haïti, ou affaiblir l'institution avec une organisation bidon. Ou aller sur plateforme Le Point. Ou pas de penser, nous connaissons Wendell Théodore, son journaliste avisé et éclairé. Exactement. Quand on dit ou tu travailles avec la police, qui compte? Ou pensez que vous avez un pays qui est amnésique? Mes amis. Ou sont les qui anti la police nationale d'Haïti? Oui.
et puis organisation dans son organisation Kaka Jaco. Vous comprenez? Il y a tout sauce. Il y a une politique, il y a tout le monde. Je dis, il faut que les gens sérieux qui ont une virginité sociale. Je parle avant. Je dis, c'est là pour tout le monde qui a une virginité sociale. Ils viennent parler dans le pays. Nous ne pouvons pas livrer le pays à des vagabonds. Vagabond, vagabond, c'est vagabond. Quel est habillé, quel est sa patte. Nous-mêmes, nos organisations vétérans et amis de la police nationale d'Haïti, Vabona, nous profitons de dire que nous ne pouvons pas oublier ce qu'on fait. Nous ne pouvons pas oublier ce qu'on fait pays. Ces mêmes gens, dernièrement, nous avons parlé. Nous avons parlé avec le Premier ministre Joseph Jout, qui a causé des dégâts sociaux. Soi-disant, il était président du Conseil supérieur donc de la police nationale d'Haïti, CSPN. En direct, en deux palais national, il campait, il blasait un chef police. Oui. Ex-commandant chef donc de la police nationale d'Haïti. Aïe, 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 mon cher, Ramon passe misère en bas, mais pas comme ça, vous vrai, oui. Aïe, 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 qu'est-ce qu'on j'ai baillé? Ramon passe misère. Ramon passe misère, papa, ici. Yon, je n'ai pas connu pour qui ça, mais je te raille, Normil Ramon, comme ça. L'inspecteur général de police, Ramon Normil. Exactement. En direct. Liblazon chef police. Kounia Jodi a vini di konsa ke aussi Ramon Normil te commandant chef police, yo va manger président pain. Eh bien, yo tout là, yo tout là, yo t'a fait gang tout côté. Yo tout là, c'est même yo même là. C'est même yo, mais c'est toujours comme ça. Et même yo même là. Là c'est façon Normil Ramon te camper peuple haïtien, yo un bail la pas ka fait n'importe comment. Ou pas ouais, ça joue petit dernièrement, joue tout comme ça que l'opération t'a pas fait dans village pas tout. Chef CSP, non s'il vous plaît, il pas au courant. Il pas de comme bagaille comme ça après assassinat Jovenel Moïse. Mini justice la te barré tout rentre ti la pli rentre ils sont pas ka bouger révoqué c'est fini révoqué dans même jour soir premier ministre Bailon bien bas ti la pli débloqué tout conteneur sorti dans yo à l'aise et je te dis il parlait ensemble avec ses amis il pas perdre un grand citoyen il n'a pas perdu citoyen mais citoyen il va prendre territoire connu pas ka brouillé ex premier ministre joute. Dégâts sociaux qu'on te créé, dégâts sociaux qu'on te fait dans le pays, ben nous prenons notre. Yo était là. Même j'avais sénateur Moïse Jean-Charles. En pleine séance au Sénat de la République. Li campé, li blason chef police. Ex-commandant chef police. Gosson Aurelius. Au carriériste dans la police nationale d'Haïti. Au sénateur de la République, nous convoquer un commandant chef police qui gagne des milliers d'hommes et de femmes sous commandement, sécurité pays à sous-dol, nous gon façon pour nous balaver. Gè des bagages que nous besoin reprocher, nous ka fait ça à huis clos. C'est parce que nous n'avons pas d'étoffe d'État, nous n'avons pas de comportement, nous n'avons pas de pli, nous n'avons pas de standing. Mais on ne peut pas faire gagner plaisir tout. Quand on fait bailler là, son message, vous voyez bailler gagner. Même Jean-Aristide Devel, à part de la police mette campé sous stand ensemble avec gang pour faire bailler là, mais pour faire la paix. Qui rapporte qui est ensemble avec gang avec la police? C'est là où tu as besoin de vivre ensemble avec nous. Quand la société haïtienne, il était les vapeurs, quoi, c'est ton nom? Oui. Eh bien, nous pas respecter science qui est la sociologie. Exactement. Comme nous mêmes haïtiens, nous choisissons qui est pour nous connaître la science, qui est pour nous pas connaître la science. Comme si nous t'apprêtions pour nous badiner, nous faire badinage avec un pays, et puis nous passons pays et comme si le pays va évaporer dans nous te quoi cette tonne. Effectivement, chef pas. Eh bien, mon frère, Pierre Espérance, pas pensons sur mon sérieux. OK? Maintenant, c'est tout que la nation pas pour nous sérieux. À travers une organisation bidon qu'on monte. Par contre, qui est-ce qui est haut? Par contre, qui c'est le peuple? Mais nous, tous les haïtiens, nous connaissons la patrie. Tout gros problème pays a gagné là, ouais, famille, maman, papa, petit, divisé, chacun vivant côté. Pays a gangsterisé, pays a banditisé. Nous vivons dans le pays a ce qu'on pourrait appeler le gangsterisme d'État, le banditisme d'État. Eh bien, ou même, ou c'est un monde qui cause. OK? Ou sont destructeurs, ou même ensemble avec Marie-Yolène Gilles. Effectivement. Prenez responsabilité sociale, nous. Mais pour ça, nous travaillons. Je dis, pas regardez, en matière policière, les preuves sont là. Vous travaillez pour affaiblir la police, pour débattre bandits priorité dans le pays. C'est ça, on fait. La police nationale affaiblie, et bandit lui-même, c'est lui qui a dirigé le pays. Nous vivons là dans le pays, ce qu'on pourrait appeler le banditisme d'État, le gangsterisme d'État. Et bien pour sortir de travail. Ok? L'histoire va juger où? N'a profité dit, Pierre Espérance, qu'en matière policière, la responsabilité personnelle, il faut prendre responsabilité sociale pour la destruction sociale que fait notre société haïtienne. Je dis à la, il n'y a plus de problème pays, c'est la sécurité nationale. Tout le monde est menacé. Haïtiens, comme si j'en avais vu là, nous retournons dans l'esclavage. Chaque monde en bas. Maman en bas. Papa en bas. Petit en bas. Chaque passé domaine,
yo Canada, ça pas Canada, yo États-Unis, chaque monde en bas. Séparation familiale. Même monde qui vivent dans le pays, des grands commis donc de l'État. Mais qui regarde dans la police? Madame yon bon, petit yon bon. N'a pas le contrôle la caillou. Eh bien, qui a-t-il causé ça? Nous avons toujours un problème politique en Haïti. Pas que j'aime pas un problème politique. Nous, même la génération 70 ans, moun qui fait l'année 1970-79, qui gros problème pays a sous nous commencer? Nous pas j'aime finir soit en une fille, nous pas j'aime finir en l'école. Vieux tourner son coup d'État, mais pays a, famille haïtienne est toujours là, nous habitués à un problème politique. Mais cyclone ça, cyclone social ça, qui a passé dans le pays là, nous pas j'aime rien. Il n'y a pas de gens qui viennent au niveau comme ça. Ça fait que nous avons un problème de sécurité nationale. Eh bien, une institution qui est la police nationale d'Haïti, qui soi-disant là pour la sécurité, pour protéger la vie, bien moun, eh bien, où est-ce que organisation? Je ne sais pas qui est-ce qui voit, je ne sais pas pour qui est-ce qui travaille, mais nous-mêmes haïtiens, nous connaissons où sont les patries. Parce que l'organisation là, elle cause beaucoup de torts sociaux à ce pays. L'organisation là, son destruction sociale, elle fait. Ou même avec Mario Lengil. Parce que nous tous les deux, c'est Bob et Baba Company. Nous. Même si vous ne connaissez pas si c'est à l'aise, si c'est calme économique ou bien à l'aise, sinon c'est divisé, nous chaque fois, bon, mais nous tous les deux, c'est open. Nous marchons de pair. C'est George Baba Company. C'est second combat avec De Goudet. Je dis, on ne peut pas parler sur le point, sur un grand plateau national comme ça, hein, pour avoir une trouble de vigilance, nous toujours. Faut prendre responsabilité sociale ou. Faut prendre responsabilité sociale ou. Société haïtienne est évaporée. T'as quoi c'est ton? Et bon c'est un homme, c'est un acteur. Parce que Wallou, ou mettre organisation bidon qui est le RNDDH, une organisation soit des capables de défendre les gens, alias droit des bandits, ou affaiblir la police nationale d'Haïti. Ou pas qu'on a rien, ou pas qu'il y ait aucune formation policière, ou pas qu'on a rien dans la police. Ok? Ou pas qu'on a rien dans la police. Si on demande au Pierre Espérance en matière policière. Quels sont les quatre niveaux de force en Bakoné? Et même quatre jours, oui. Comme vous avez fini de causer des dégâts sociaux, vous n'avez pas fait encore. En matière policière, il y a quatre niveaux de force. Un premier niveau de force, la présence de l'officier. La commande verbale. Deuxième niveau de force, contrôle la main douce, contrôle la main dure. Troisième niveau de force, bâton, gaz lacrymogène. Quatrième niveau de force, la force mortelle, policier a dégainé de la position 4. Un policier pas tué un monde. Il stoppe un suspect qui tape commettre une action, soit qu'il mette vie au monde dans la population en danger, ou bien vie policière en danger. Est-ce qu'on maîtrise les 4 niveaux de force en matière policière pour rédiger des rapports contre la police, contre des policiers? Ou pas qu'on a rien dans la police? Qui sont qu'on est? Est-ce qu'on est les éléments basiques en maintien de l'ordre? Simo, c'est une unité de police qui spécialise elle. Nous avons carré en maintien de l'ordre, en police anti-émeute. Six mots sont six qui signifient corps d'intervention et du maintien de l'ordre, donc de la police nationale d'Haïti, qui sous tutelle de la direction centrale de la police administrative des CPA, donc de la police nationale d'Haïti. Qui compte des chita ou des informations? Qui sont contre la police pour rédiger des rapports? Rapport qu'on a rédigé contre policiers? Est-ce qu'on compte force policière a été utilisée? Parce que toute force policière utilisée doit être proportionnelle. Est-ce que la police a été complètement action? Est-ce que tu as une force pas proportionnelle? Bon, on ne peut pas rien dans quatre niveaux de force. Les quatre niveaux de force en matière policière, est-ce qu'on maîtrise ça, Pierre Espérance? Tu vois qu'on a rien. Ok? En métier de l'ordre. Qui sont qu'on est en métier de l'ordre? On dit que six mots, allez faire une intervention, des manifestations. Avant six mots, faire une intervention, ils font formation. Première ligne, il y a l'élément d'attaque. Deuxième ligne, il y a l'élément d'appui. Ligne qui n'a mis temps, il y a l'élément d'épi. Ensuite, il y a les sûretés latérales et sûretés arrière. Moun kap commande le chef d'équipe, li kapab yon inspecteur de police ou bien un inspecteur principal de police ou bien un inspecteur divisionnaire de police. Li pou bay 3 sommations policières. Pour dire la police mande nous pour nous déplacer. La police mande nous pour nous déplacer. La police mande nous pour nous déplacer. Si on va déplacer avec 3 sommations, eh bien li di chargé. Est-ce que on connaît sacré le yon hair simple ou bien yon hair double? Pierre Espérance, ou pas qu'on a rien? C'est ça dans le pays, c'est vagabondage ça. On a rete là. Les moutons ont une organisation politique, une organisation bidon pour faire Berli. Après, j'ai des rapports contre une institution républicaine, il n'y a pas aucune formation policière, il n'y a pas aucun séminaire qu'elle prend. Il a affaibli l'institution. Il a écrasé jusqu'à ce jour-là. Le pays a banditisé. Le pays a gangstérisé. C'est le gangstérisme d'État. C'est le banditisme d'État. Et puis, je dis à vous, quand vous avez un figure, vous pouvez vous paraître comme un monde qui a un comportement de bon enfant.
nous-mêmes au sein de l'organisation vétérans et amis donc de la police nationale d'Haïti, nous pas capable nous pas pardonner ce qu'on fait pays là. Nous pas pardonner ce qu'on fait la police nationale d'Haïti. On pas jamais capable faire les forces armées d'Haïti ça. Comprendre comme pays aujourd'hui c'est vagabond qui mené. Un bonjour mon sérieux mené. Parce que pays pas arrêter comme ça. N'en faut qu'on ait Pierre Espérance. L'une des raisons que nous-mêmes des anciens policiers nationaux donc de la police nationale d'Haïti qui vivent dans les communautés de la diaspora haïtienne, plus précisément à New York, la raison pour laquelle nous avons fondé l'organisation Vétérans et Amis donc de la police nationale d'Haïti, VAPONA, en février 2015 à New York, c'est parce que nous avons remarqué que la police nationale d'Haïti est une force de police orpheline. Nous avons remarqué que même Pierre Espérance, ensemble avec Marie-Hélène Gilles, qui a dirigé la fondation GPT Clairé, et bien, nous avons utilisé la police pour nous faire burn nous. Son petit parti politique, une organisation politique, une organisation bidon que nous montons alias Banque Nationale de Crédit pour nous faire burn nous sous la police jusqu'à ce que nous arrivions à affaiblir la police là. Jimmy Cherizier, qui sont anciens policiers qui t'a affecté dans l'unité départementale de maintien de l'ordre de l'Ouest, UDMO, de la police nationale d'Haïti. L'idou, ça fait côté lié là, ça fait le campé là. Est-ce qu'on remarque qu'il y a des dégâts sociaux que vous causez à pays là? Je dis pas qu'il n'y a pas de tête comme on devient. L'une des raisons principales qui te fait fonder l'organisation Vétérans et Amis donc de la police nationale d'Haïti, c'est parce que nous avons vu que dans l'année passée, là, RNDDH, qui est dirigé par Pierre Espérance, Fondation GPT Clairé, qui est dirigé par Marie-Hélène Gilles, Mounsayo, c'est un coup, son petit parti politique qui a fait, alias Banque Nationale de Crédit, puis ont fait beurre sur la police nationale d'Haïti. Nous avons regardé l'interview ça, côté Pierre Espérance sorti pour troubler vigilance, Wendell Théodore, qui est un gros journaliste dans le pays. Qui gagne un gros plateau. L'on vient sur plateau, ça oblige par les vérités. Mais, gros bagay que Pierre Espérance pas connaît. Wendell Théodore, c'est un monde qui sous forum WhatsApp de l'organisation Vétérans et Amis donc de la police nationale d'Haïti, VAPONA, côté qui gagne tout regardé, tout recommandement la police là, tout recommandement élargi la police là. Cela veut dire que des informations qui véhiculent, informations qui professionnelles, qui parlent de la police nationale d'Haïti, qui parlait de structure administrative et opérationnelle donc, de la police nationale d'Haïti. Pierre Espérance, c'est un monde, ensemble avec Marie-Hélène Gilles, c'est un monde qui cause un paquet de dégâts sociaux dans le pays. Aujourd'hui, ni Pierre Espérance qui a dirigé RNDDH, ni Marie-Hélène Gilles qui a dirigé Fondation GPT Clairé. Donc, il faut prendre responsabilité sociale dans tous les dégâts sociaux qui ont causé dans le pays. Jodi a pays a est là. Côté, c'est le banditisme d'État, le gangsterisme d'État qui a dirigé. Eh bien, moun sa yo, yo causé explosion sociale ça. Jodi a Pierre Espérance pas qu'a vienne parler comme moun sérieux. Non, ni Marie-Hélène Gilles tout, moun sa pas qu'a vienne parler comme moun sérieux. Parce que, ou pas qu'a une organisation soi-disant droit de l'homme, alias droit des bandits, nous fait tout temps nous que n'a affaibli la police nationale d'Haïti. Sans pour autant que nous pas gagner aucune formation policière. En matière policière, il y a quatre niveaux de force. Premier niveau de force, la présence de l'officier, la commande verbale. Deuxième niveau de force, contrôle la main douce, contrôle la main dure. Troisième niveau de force, bâton, gaz lacrymogène. Quatrième niveau de force, la force mortelle, ou préposition 4 ou dégainé. Policier pas tuer moun. Policier a stoppé un suspect, soit qui t'a causé, mettez vie en moun dans la population en danger, ou bien mettez vie policier en danger. Est-ce que Pierre Espérance, soi-disant, au monde qui a dirigé une organisation droit de l'homme, alias droit des bandits, ensemble avec Marie-Hélène Gilles, qui est dans la fondation GPT Clair, parce que j'ai mon saïo, l'éclairer le pété. Jodia, il est le temps pour le monde qui a une virginité sociale. Moi-même, j'ai une virginité sociale, moi, je parle. J'ai une maturité matrimoniale, moi, j'ai une majorité matrimoniale, moi, tout. Vous comprenez, j'ai une droit de net social, moi. L'île pour le monde sérieux parler dans le pays. Nous suivons nous-mêmes au sein de l'organisation Vétérans et Amis donc de la police nationale d'Haïti. Nous suivons attention, avec attention, interview que Pierre Espérance qui a dirigé RNDDH, une organisation soi-disant droit de l'homme alias droit des bandits, qui vient causer un paquet de dégâts sociaux. Je veux dire, la vie ne paraît pas. Tant qu'on la vie essaie d'adopter un comportement de bon enfant. Nous ne savons pas qui secteur que nous travaillons, mais nous connaissons qu'on est capable de travailler pour le pays. Parce que les dégâts sociaux ça qu'on fait dans le pays. Tout abus ça qu'on fait, tout menti ça qu'on fait sur un paquet de policiers jusqu'à ce qu'on affaiblisse la police nationale d'Haïti. On pas capable de faire les forces armées d'Haïti ça. Il y a un policier qui est le Jimmy Cherizier, alias Barbecue.
Monsieur Kambe plusieurs fois, il dit que lui-même, il est crimé la police nationale d'Haïti en pile. Et l'autre, regardez, monsieur a un tatouage sous lui qui écrit PNH. Je ne pas placé pour mal faire un mal faire étude pour m'entrer dans l'hôpital, monsieur, ou bien m'entrer dans quelqu'un pour m'entrer la police. Mais matière policière, preuve son gros bagaille. Monsieur a un tatouage sous lui. Monsieur dit que c'est Pierre Espérance qui te font faux rapport, qui fait sortir dans la police nationale qui vient métamorphoser côté l'alcampé là. Mais un policier comme ça, ou pas penser, si Nexa était dans la police, c'est un grand policier, c'est qu'à l'hypothèse dans l'autre camp, eh bien, je dis, en pile monde, c'est ouais tout dégâts RNDRH a fait dans le pays. Pas de jam, dit rien. Parce que c'est agent seulement qui est une victime. Vous pensez que c'est agent de police seulement qui est une victime. Et bien je dis, ouais, mais mon ex-commandant chef police, même lorsque monsieur vient dénoncer ça trop tard, même mon ex-commandant chef police, ambassadeur Léon Charles, l'oblige à dénoncer Pierre Espérance pour comportement qu'elle gagne. Vous comprenez? Je continue à voir ça parce que je ne parle pas trop long, mais je voulais que pour tout le monde de voir ça parce que son voix est très important. Je dis, l'île est temps pour tout le monde de virginité sociale dans le pays à parler. Parce que c'est un pays qui est infesté par des vagabonds de tout Akabi. Agayo pas petit, non papa ici. Agayo pas petit. Ou équipe vagabond qui a monté des sons. Espérance, ou regardez là, c'est pas n'importe qui. Espérance, aïe aïe aïe, ils sont experts, papa ici. Non, faire diversion. Oh, monsieur Fort. Moi-même, c'est l'argent, j'ai eu un gars qui là, m'a donné l'argent, plus passé 50 combien millions de dollars, j'ai eu ramassé, j'ai eu mis dans la machine. Faut nous bailler l'argent. L'autre information que nous portons pour vous, eh bien, dossier assassinat président Jovenel Moïse la continue à faire parler dans la République. Et puis, Espérance, lui-même, selon ça, Léon Charles fait qu'on est, eh bien, il a participé dans l'assassinat ancien président Jovenel Moïse. Côté, il a participé tout dans déstabiliser l'institution, la police, là, il contrôle le tout et il est membre réseau 509, là. C'est ça, ancien DGA. L'impliqué dans l'assassinat, eh bien, président Jovenel Moïse Léon Charles dit, dans micro journaliste Guerrier Henri, eh bien, hier lundi, il s'est passé là. Donc, Léon Charles continue à parler, eh bien, il n'a pas mis de l'eau dans la bouche du côté, il a attaqué Pierre Espérance, que tout le monde connaît, que c'est directeur de l'Amouni, eh bien, monsieur lui-même qui quitte le dossier de l'Amouni, à côté, il rentre dans la politique là, bien fond là, eh bien, depuis bien des temps, côté, il était qu'on a attaqué, eh bien, il était pour une pauvre village de Djedou. Barbecue fait qu'on est ces Pierre Espérance qui rend lui-même living bandit parce qu'il était toujours un bon policier qui t'a mené opération. Celle-ci ça a critiqué de barbecue. D'assemblée depuis l'elle était policier et bien chaque opération le mène elle-même depuis le prend les amis. Il semblait pas qu'on remette la police. D'assemblée mais c'est qu'on a serré des amis ou bien il était déjà gagné attention. Bon, nous va connaître, nous va arriver jusqu'à là mais barbecue lui-même. Li accusé Pierre Espérance comme moun ni même qui t'a fait qu'on est après quelques policiers te fin tomber barbecue te tourner là le pété balle bien le faire qu'on est barbecue te fait massacre sous peuple dans la saline. L'autre information vient faut qu'on est dans dossier élection qui était faite dans République Dominicaine là et bien député José Olacio lui même Rodriguez et bien il fait qu'on est qui et bien il gagne en grand préoccupation pour dossier finance en République Dominicaine côté li critiqué et bien somme l'argent que l'état lui-même l'état utilisé pour imposer candidat ou bien dans dernière élection municipale qui était faite en République Dominicaine. D'après Apollo, Luis Abinader lui-même et bien c'est parti par lui la pousser là qui pour ta sortir comme magistrat dans tout syndicat yo, yon façon pour le capable gagner faute là pour le capable gagner parti qui pi avancé dans élection qui vient là élection présidentielle là pour le faire dans mois mais qui vient là et bien yo déjà fait pas magistrat et bien selon député José Rodriguez lui-même lui fait qu'on est et bien il a pile inquiétude a pile préoccupation pour comment ça te déroulé après gros somme l'argent lui-même qui fin dépenser qui donc corruption ça dans dernière élection pour magistrat dans pays Saint-Domingue et bien député cela il dénoncer ça qui donc c'est pas Haïti seulement qui gain corruption à l'Assemblée Haïti nouvelle pisal mais pays voisin tout yo même yo fait petit bagaille des fois qui donc n'a pas suivi et nous déjà connait qui bagaille là depuis mon dans élection lui-même il pas remet perdu l'a toujours mettre maillon façon pour capable faire partie le bon et lui-même cap faciliter le tâche là tout pour capable arriver plus loin. Dossier corruption, il faut qu'on ait madame ancien sénateur Nenel Kassi, lui-même qui c'est Catherine Chéri Kassi, et bien il a une invitation pour le paraître devant chambre criminelle juge Jean Wilner Mourin qui donc joue cap vendredi 1er mars 2024 là cap vienne là et bien comme témoin dans quatre dossiers corruption avec faux déclaration
patrimoine riche nan mauvais affaire qui donc Nenel Kasi li même li épinglé qui donc li pou fè sa ki pa bon madame ou petite ou famille yo youn yo pa en paix pourquoi il est là et ben ancien sénateur qui c'est Nenel Kasi qui yo accusé et bien madame li là li gagne pour aller parler devant juge Jean Wilner Morin vendredi 1er mars là pour al bay déclaration et bien ça yo impliqué li même Nenel Kasi tout le monde connaît qui c'est un ancien sénateur et qui est non cité dans un pile gros dossier dans dossier corruption dans pays d'Haïti donc juge pas décidé bay va qui a attaqué nek ça yo même juste dans zo qui t'a mené bac yo mal dans dossier l'argent l'état côté nèg yo même yo t'a gagoté. L'autre information dans opération la police t'a mené dans fond cheval mi balaya qui donc en pile moun pa vle di ça bisap té là dans opération si la bisap té meté pied yo à té côté yo té descend sous terrain et puis campé côté la police pour té contrer carré avec bandi yo et bien bandi si la yo même qui gen intention pour yal envahir ville mi balaya bien c'est un bon mariage contre gang qui département li même li fait tout monde bat bravo pour tête unité la police yo même qui était présent et puis bisap té mêlé avec ou mais ça qui ra et que police nationale bail détail qui unité police qui t'a fait mais yo pas vle non mais non bisap et bisap li même li t'a fait partie ko qui t'a mené opération c'est là côté yo t'était plusieurs bandi pour jouer et bandi yo même yo déjà renforcer dans fond cheval bloqué route en façon même pour capable contrer carré avec PNH là même qui pas décidé quitter établi base qui donc bataille la pour au fini c'est un botte la police fermé bandi yo pas aller qui donc chef là tombé et bien on pourrait que t'a mettre stratégie là pour même capable faire un autre bagaille parce que nèg ça même yo pas bailler vague vite. L'autre information encore nous côté n'a faut qu'on ait Premier ministre Ariel Henry lui-même pendant l'inan réunion qui a fait dans pays Guyane et bien Premier ministre Antigua lui-même qui c'est Gaston Boyne et bien il déclaré Ariel Henry doit rester collé sous pouvoir et puis permettre une transition politique pour faciliter une solution pour crise Haïti a fait face là il dit ça c'est pendant il a parlé avec divers journalistes dans 46e sommet chef d'État avec gouvernement CARICOM donc Ariel Henry lui-même il était là et bien Premier ministre là son grand nambouda li wè côté pays noir écoulé li mandé pour PM Ariel Henry lui-même pour lasser botte li bien yon façon pour capable gagner une transition politique qui pour faciliter ou bien pour aider nous sortir dans crise que nous y a et bien pour en pile monde en pile haïtien pa wè c'est dans dictateur nous prend dans Ariel Henry et bien pile l'autre nation tout yo même yo gitan gain contrôle dossier à côté yo wè ça PM nan lui-même la fait et bien li pa gain rien pour lui avec dossier démocratie d'ailleurs PM n'a pris un pouvoir à côté li pat li li te gen document ki siyen pou te rete ata 7 février 2024 7 février a passé li pa rete rekòl et ben poukò li la li toujou lap dodo meyal nan tèt peyi a et ben pou an pil moun ki wèl pa anyen et ben pou lòt tout yo wèl anyen et ben c'est le cas pou premier ministre si la li menm nan peyi Antigua ki mande pou PM nan kite peyi a et ba on nouvèl li voye c'est pendant yo nan reunion sa a fè nan 46e nan et ben li lanse parol piment bouk si la nan men PM Ariel Henry. L'autre information toujours nous parler c'est dans conflit qui gagne entre Israël avec pays Gaza ou bien Hamas ou bien Palestine dans un cadre deal. Et bien après plus passé 4 mois depuis conflit Israël là lui-même li éclaté face à soldats Hamas et bien sur 7 octobre 2023 là pour arriver jeudi 27 février 2024 là qui t'a gagné yon affaire de 110 journalistes qui mouri en bas attaque armée qui donc journaliste pas épargné dans attaque c'est là. Syndicat journaliste dans Jordanie yo même yo té organisé une journée soutien avec journalistes palestiniens yo et puis mandé yo pour yo prendre position dans dossier guerre si là les même qui pas jam camper et dossier guerre ça li a fait en pile de gars et n'a pas rappelé soldats américains qui c'est seulement 25 l'année les même qui était obligé à sacrifier ville côté li paraît devant ambassade Israël là et ben li té vidé gaz sous tête li côté met téléphone l'a filmé et ben li ba tête li défé li boulé son façon pour si Israël yo même yo té capable prendre pitié ou yo té capable camper attaque yo y a fait contre pays Hamas yo qui donc bataille si là qui t'a gagné 100 des journalistes pour et en pile ti moun mouri en pile moun qui fait partie société civile là tout
dans bataille ça même yo pas respecté parce que attaque yo vraiment raid dans dernier jour ça parce que Israël lui-même l'a avancé avec force sous palestinien yo et même qui semblait pas plus capable résister avec l'armée israélienne qui donc qui c'est une armée tout qui puissant en pile qui yon nan parmi l'armée qui puissant en pile dans monde là et bien y a attaqué y a tué en pile monde même centre côté yon mette monde civil et bien yo pas épargné dans guerre c'est là les même qui dans pays Israël avec palestinien qui donc journaliste yo même yo pas remé ça parce que journaliste a supposé épargné ti monde a supposé épargné les gain gros guerre ça yo mais guerre c'est là les même qui jeté en pile ti monde en pile journaliste en pile monde dans société civile là côté ya victime dans guerre. Donc c'est là que nous mettons fin dans vidéo nous pour aujourd'hui. Un grand merci avec vous-même qui t'a regardé vidéo ça jusqu'à la fin. Pas oublier une première façon que vous capable ou capable faire sentir travail n'a fait arriver sur vous, c'est le quitter un like sur vidéo et le abonner avec channel là tout. Pas oublier activer la cloche notification et mettre sous toute une façon pour YouTube capable toujours notifier à chaque fois que nous poster une nouveau vidéo pour sur channel ça. Partager vidéo avec vos amis, vos familles, une façon lui même pour capable joindre information à tout et comme ça on aider nous grandir communauté channel. N'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable chercher information à quel que soit côté lié à l'aile passé à pour nous porter le pour pas oublier sur channel ça nous pas fait information mais nous bail information Jean lié à dans n'importe là et bien ou pas regrette même une seconde côté te abonné avec channel là parce que n'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable que vous informer sur channel ça quel que soit nouvelle là Haïti ou à l'étranger et bien ou abonner ni sur channel ça sans retirer sans mettre. Eh bien, n'a di au revoir tout le monde. N'a prévoyé encore dans une prochaine vidéo, dans un titre qui pas trop long sous même channel ça.